Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin du samedi 26 janvier 2013. Alors, il a encore neigé la nuit dernière et ce matin sur le nord-ouest du pays, le centre, le nord et le Benelux. Mais globalement, on s'oriente vers le redoux qui s'amorce dès ce soir sur toute la moitié ouest du pays. Et c'est donc la fin de cette vague de froid qui a commencé mi-janvier avec des températures qui sont restées inférieur à 0 degré pendant 10 jours à Lille par exemple, avec beaucoup de neige au sol, donc c'est un épisode qui restera tout de même mémorable. Regardez le temps pour dimanche matin, une perturbation arrive sur l'ouest du pays, et elle concerne une grande partie du territoire avec des pluies parfois soutenues et des vents forts en Manche et en mer du Nord, des rafales jusqu'à 90 km/h, vous le voyez sur les côtes du Pas-de-Calais, 80 km/h dans les terres de la Normandie aux Flandres, donc prudence tout de même si vous prenez la route ou si vous pratiquez des activités extérieures. 60 à 70 km/h jusque dans le centre du pays, donc ce n'est pas anodin. À l'avant, un ciel très nuageux. Et puis près de la Méditerranée, là, on aura un ciel voilé avec un peu plus d'éclaircies. Dans l'après-midi, cette perturbation circule toujours de l'Aquitaine aux Ardennes et à la Lorraine avec des pluies parfois soutenues, des rafales de vent jusqu'à 60 km/h dans le centre et puis à l'arrière un ciel plus nuageux, un ciel de traîne avec encore quelques averses, du vent. À l'avant, quelques chutes de neige en montagne et puis donc un temps qui devient de plus en plus nuageux sur le sud-est du pays. Il faudra aller en Corse pour conserver un temps plutôt agréable. Regardez les températures pour dimanche matin, le redoux est sensible, les gelées sont de moins en moins fréquentes. Alors oui, on regarde encore moins 4 degrés du côté de Grenoble et d'Annecy, mais globalement ça s'améliore. Moins 1 à Strasbourg, 0 à Dijon, 1 degré à Charleville-Mézières et Nevers, 2 degrés à Auxerre et Reims, 3 degrés à Lille, 4 degrés à Paris, donc on n'aura plus de problèmes de verglas. On aura déjà 9 degrés du côté de Biarritz, 10 à Saint-Brieuc et 11 degrés à Brest, le redoux devient sensible. Dans l'après-midi, toujours ce redoux, regardez 12 degrés à Brest, dans le nord-est du pays, eh bien ça va dégeler pour la première fois depuis longtemps dans certains endroits, 2 degrés dans les Vosges, 4 degrés à Strasbourg et Dijon, on aura jusqu'à 5 degrés à Nevers, 7 degrés dans la capitale, ce n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Bien évidemment, toute la neige qui est tombée ces derniers jours sur l'ensemble du territoire va fondre. Regardez le temps pour le début de semaine. Lundi, un ciel très nuageux du nord-est au sud-ouest avec quelques pluies et quelques chutes de neige en montagne. À l'arrière, un ciel nuageux avec quelques éclaircies des Flandres jusqu'au Poitou-Charentes et à la Bretagne. Un peu plus d'averses près des côtes de la Manche et du vent jusqu'à 80 km/h. Près de la Méditerranée, un ciel nuageux et quelques averses, notamment en Corse. Le temps pour mardi, on conserve un ciel très nuageux avec une nouvelle perturbation sur les régions du nord, entre le nord et la Bourgogne globalement, des rafales jusqu'à 70 km/h dans les terres et un coup de vent entre la Manche et la mer du Nord jusqu'à 60 degrés, jusqu'à 100 km/h, pardon, sur les côtes bretonnes, donc il faudra être plutôt vigilant. Partout ailleurs, donc un ciel qui est plutôt nuageux entre la Bretagne et l'Alsace, et puis plus on ira vers le sud, regardez, ça fait un dégradé, et oui, plus on ira vers le sud, plus le soleil aura de chance de briller, particulièrement sur les Alpes-Maritimes, avec beaucoup de soleil. Les températures, vous les voyez, elles sont excessivement douces pour la saison. Mercredi, nouvelle perturbation sur le nord, et oui, ça continue avec toujours un risque de coup de vent de la Manche au Benelux et une très grande douceur. Regardez ces températures, 16 degrés l'après-midi. Alors oui, il y aura plus de soleil dans le sud. Et même dans le nord, regardez, dès le matin, 8 degrés. Et oui, ça va complètement nous changer des jours précédents. Jeudi, c'est le même type de temps. Plus on ira vers le sud, plus le soleil brillera. Et puis dans le nord, eh bien, toujours un ciel très nuageux avec des pluies. Bref, un temps complètement automnal. Pareil pour vendredi, un temps automnal avec une nouvelle perturbation qui arrive déjà par la Manche et à l'avant, un ciel nuageux avec quelques averses, des températures qui restent toujours très douces. Pareil pour samedi, avec toujours des averses sur le nord-ouest du pays et des températures très douces. Près de la Méditerranée, on sera protégé des averses avec l'espoir de voir un peu plus le soleil. Nous retrouvons maintenant l'éphéméride de ce dimanche 27 janvier 2013. Nous fêtons les Angèles et les Angéliques. Nous gagnons 3 minutes d'ensoleillement, et oui, ça fait du bien, les coefficients de marée sont relativement bas, et ce sera la journée internationale de mémoire contre l'Holocauste et la prévention des crimes contre l'humanité. C'est toute une histoire. Demain, vous retrouvez Alexandre Sovic. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, à très bientôt.